vraiment les autorités maliennes parce que l'entreprise a une bonne appui à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on participe aujourd'hui au Salon de l'agriculture, c'est sous la couverture du Mali. On est subventionné pour pouvoir promouvoir le Made in Mali des qualités. Et au niveau local, c'est vrai, on a eu pas mal d'appuis à ce niveau-là et pour pouvoir certifier nos produits. Et d'ailleurs, là, on est en train de commencer aussi la certification bio et travailler aussi sur un label parce qu'on a certaines pratiques qui sont assez ancestrales. L'idée aussi, c'est de les valoriser en fait. Et, mais ce n'est pas facile parce que l'exportation en Europe, c'est un coût. Il faut payer les tests de labo et cela va à plusieurs milliers d'euros en fait. Et le transport aussi. Et les transports aussi qui coûtent très cher. D'ailleurs, par exemple, mes boissons au Mali, ça coûte 1 euro. Mais quand ça arrive en France, rien que le prix grossiste, c'est le double. Et souvent, les gens se disent oui, mais 3,50 euros, c'est cher. Mais bon, le transport y est. Et voilà, donc c'est pas assez évident, mais bon, je pense qu'il faut encore pousser pour que les parties prenantes européennes puissent revoir un peu ces charges-là pour qu'on puisse aussi pénétrer le marché international avec nos produits. Je viens de discuter avec